Benjamin, c'est une nouvelle prestation que l'AS Nancy Lorraine offre à ses supporters. Oui, on a décidé de lancer un petit peu une nouvelle prestation pour le grand public avec un nouveau concept qu'on voit peu dans les stades. Le principe, c'est qu'on accède à l'espace et on bénéficie des pizzas, de différentes sortes de pizzas à volonté. Donc c'est un endroit, évidemment, on est au sec, on peut se restaurer quelques instants avant le match. Pendant le match également, comment ça fonctionne? Et finalement, on est au sec, on est au chaud, c'est important, surtout ce soir. On peut se restaurer effectivement à l'avant-match, pendant la première mi-temps, à la mi-temps, et puis on verra pour après le développer en après-match également. C'est une idée qui est venue comment? Vous avez un peu observé ce qui se faisait dans d'autres stades, dans d'autres pays? Non, pas forcément dans d'autres stades. Au contraire, on a voulu sortir un petit peu de ce qui se fait dans le milieu du sport. On a essayé de regarder ce qui se faisait ailleurs. Bon, aujourd'hui, les buffets à volonté, que ce soit pour les buffets chinois, même les pizzas à buffet existaient. Donc on n'a pas forcément inventé le concept, mais en tout cas, on se l'est approprié pour l'adapter dans un stade. On a une demi-saison pour lancer cette prestation et pour la réussir, mais c'est une attente client. On a commencé la communication depuis 2 semaines. On a pu voir sur les réseaux sociaux que ça marchait bien, en tout cas bien relayé, et puis une bonne perception de cette prestation. De manière générale, c'est en fait toute l'activité, l'animation qui est liée à cette fameuse rue sous azote qui se développe petit à petit, saison après saison. C'est tout à fait ça. L'objectif, c'est de faire un vrai lieu de vie sous azote. On progresse chaque année et demain, c'est comme les stades allemands, on l'espère, ou belges, que les spectateurs viennent une heure et demie, 2 heures avant la rencontre et puis profitent d'un temps d'échange et de partage et puis le match et la cerise sur le gâteau dans leur soirée. Donc c'est notre objectif. Cette prestation Brasserie Stan n'est pas la première marche parce qu'il y a de nombreuses choses qu'ils ont faites, comme les animations aux entrées et autres, mais en tout cas va tout à fait dans cette continuité.